Someday Dad will get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Hello? Hey, honey. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund. Aha! You can't hide from me forever. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad! Don't blow it, because tonight your mother promised to make us her world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Down, Max. You get one kiss, now you're all over me? I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Life is Strange. Donc comme vous voyez, j'ai réussi à trouver le bon mot truc pour la photo. Du coup, on est revenu à notre état initial. Chloé est vivante, William est mort. Et tout va plus ou moins bien. On n'est plus amis. Enfin, le plus important, on n'est plus amis avec Victoria et Nathan. Et apparemment, on a beaucoup enquêté cette nuit. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. Alors, voyons-moi. Ah,
qualité vivante. So close yet so far away. We have to do three main things. Right. What things? One, decipher Frank's logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. Ouais. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, beat Step Douche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the Dark Room. And I do have a gun now. Keep it in your pants. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. It's your problem. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. At least you let me take that money to pay Frank off. Don't remind me. I just want him off your back. Our back. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot. I'm on it, partner. Oui, c'est vrai, du coup, on a... David a été viré de la maison. I can't use this level of my rewind power. It's way too dangerous, and I need to navigate the present without messing up the past. Je voudrais tellement lui dire ce qui s'est passé, franchement. Feuille. This is a serious exposé on the presidents. Ouais. Franchement, des bonnes idées, un développement tragique. Les Nasty Prescott ont des confins d'une certaine petite ville côtière. Ce nom ne provoque sans doute pas l'annoncement des pôles indifférents. Il en est tout autrement que les résidents d'Arcadia Bay, Bourgard et apparence. La passion, les Prescott ne semblent pas le moins du monde affectés par difficultés financières. En vue de préserver l'éternel, ouais. Bref. Alors du coup, je sens que je vais encore me faire strike par cette musique. Ce sont toutes les musiques de ce jeu, je me fais strike. That's my Chloe. Les flingues encore tenables de la bad girl. La coffee girl. Yeah. Ouais. Oh, la boule. That snow dough always makes me think of William and Chloe. Portefeuille. This butterfly photo seems like a million years oui. ago. C'est moi aussi. How much time have I altered since? Examiner. I'm so sorry, William. It's not fair you had to die twice. Ah. Là, y a quoi? There's Chloe's cash stash. Sorry, Principal Wells. Sans marier. Yes, Chloe Price was there. Tasse au café. Staying up all night is the best excuse to drink lots of coffee. Ouais. La poubelle. Even Holmes and Watson didn't use every piece of information. Et moi je suis Holmes et Watson, c'est ça? Getting lost in all this shit. I wish I could tell Chloe how much William cared about her. Photo. Voilà. Bon, du coup, ce qui s'est déverrouillé, ambiance. Oh non, that poor little bird has been trapped in here. Il est encore là, cet oiseau de malheur. Pas de malheur. C'est un douille. Il est où? Dans la salle de bain? Que la lumière soit. Il est où? Oiseau. Petit oiseau. Il est où? Là. Voilà. Hop. Coucou petit oiseau. Et vas-y. Oiseau. Hop. Qu'il est en... Oh shit. Mais quel andouille cet oiseau.
Allez, stop. Stop. Tu veux aller jusqu'où comme ça, là? Arrête-toi. On va d'abord ouvrir la fenêtre. Voilà, et on va aller sauver l'Oyo. Oiseau. Petit petit. Dis donc, Tifluos le ressent. Bon, que la lumière soit. Petit oiseau, hop. Voilà. Allez, va-t'en. Be free. Voilà. Ça va avoir des conséquences. Hey, t'as libéré un oiseau, tu es malade. Hop, et on referme la fenêtre. Même faire des économies d'énergie sur le chauffage. Hop. Since David might be in there, I better mosey along for a change. Ah oui, c'est bon. T'es en train de faire ses bagages. Voilà. Cette histoire aussi, ouais. Et il s'est juste défoncé. Pardon, j'ai encore frappé dans le micro. Ah non, il est là derrière. You won this battle, Max. You broke up my family. I salute you. David, I didn't try to hurt you. Ever. But I won't let anybody hurt Chloe. Too late, isn't it? You just better be damn careful with her. Don't you wander off into the dark. Ouais. Si tu le dis. Yep, locked from the other side. Ouais, nous se jouons. Attends. Attends. Voilà, je t'ai dit de tout, c'est un mot le plus, qu'est-ce que grâce à moi, bravo, moi je suis génial. Bon, à moi c'est pas si génial que ça, à moi quoi. Je pense que tu survivras. Je vais dire c'est mes parents, je dois y aller. L'appel de la nature. Et aussi ça me fait plaisir de prendre. Yo Max, ton pote Chloé m'a envoyé un texto pour me dire que c'est mort entre nous. Eh hey, canon, je comprends. Chloé t'as vraiment envoyé un texto. C'est pas moi qui l'ai contacté. Au moins on va toujours faire des singes ensemble. À moins que tu préfères traîner avec Chloé. Ou on pourrait y aller tous ensemble. Ah non, je peux supporter qu'un de vous à la fois. Cool, je dois filer à plus. Ok. Bon. Alors, 10 octobre, le retour va passer, c'est terminé. Attends. Est-ce que j'ai lu ça? Un truc que j'ai pas lu. Punaise, il y a trop de trucs. Mais what? Tellement de. Bon. Ça, je me rappelle. Oula. Non. Mardi. Ça, je me rappelle plus ou moins. Attends. Je m'en fous plus du tout. Ça, je me rappelle de l'avoir lu. Bon, je relirai tout ça au montage. Si vous voulez lire, mettez pause comme d'habitude. Bam 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 bam
Chloé. Je t'invite, le cul est vide, Max, allô. Salut Max, j'ai encore merdé, désolé d'avoir déversé ma putain de rage sur toi aujourd'hui. De t'avoir fait la misère comme ça, tu me meilleur mieux. Je comprends, Bleu, tu devras une période difficile comme nous tous. Puis t'inquiète, j'ai jeté ton bonnet par la fenêtre et j'ai rembobiné. Ok, tu as droit à un emoji. Mais il faut qu'on fasse le plein de clopes, café et bonbons pour faire la nuit blanche sur Dop. Personne me détective pour acheter les cakes. Excellent, cher Watson. Au boulot, les neurones. Je vais sortir mon bonnet en matière grise. Je passe le pendu. Super, je suis prête. XOXO. Et c'était pas un emoji. Quel trop de messages. Maman. Je rappelle nous, madame. Nous, on va écouter. J'ai même laissé moi ma plante, Lisa. Qu'est-ce qui te trafique avec le temps là-haut? Est-ce qu'ils font des expériences militaires? Tu en plein dans l'œil les cyclones. J'ai même laissé mourir ma plante Lisa. Je suis désolé, ma chérie, tu devrais en acheter une autre. Une plante m'a suffi, je retourne à mes livres maintenant. Au revoir. À bientôt. XO Max. Ok. J'ai pas eu d'autres messages de c'est mal. Taré. Alors, Kate. Il vient de me suivre Kate pour lui. Max, comment ça va? J'espère que tu peux toujours passer me voir cette semaine. J'ai une chose importante à te dire. Bien sûr que oui, rien ne pourra m'en empêcher. Tu me manques à ma lapine aussi. Tu me manques à tous, à ta lapine aussi. Yay, yeah, tu es une amie géniale. Merci du fond du cœur. J'ai trop hâte de te revoir. XOXO. Ok. Justine. Je t'ai jamais parlé, toi. Et ça tape, c'est de belle. Pardon, mon tel était dans mon sac. C'est Justine, t'es occupé. Maximax, occupé à fumer, il se passe quoi? Tu connais Frank Bowers, une drogue, c'est tout. Demande un son, je crois qu'il connaît. Que je fais ça, merci Justine. Pourquoi? Va te faire foutre. Juliette. Eh hey Max, j'espère que tu vas bien malgré tout, tu dois être bien occupé, mais n'hésite pas à m'appeler quand tu veux. Eh hey Juliette, t'es occupé, pas le temps d'être occupé. Tu m'as jamais de texto, qu'est-ce qui se passe? Tellement de choses, je voulais juste savoir ce qui était déjà entendu d'un certain Franck qui habite dans un camping-car un peu partout. Incarné. Ah, tu parlais de gros loser façon Clodo, j'ai entendu dire qu'il était accro à la mettre, c'est tout. Pourquoi tu mènes l'enquête sur moi? Non, je m'ennuie juste, on se parle bientôt, merci. Ok, mais pas question de faire des cachotiers à Juliette Watson, grand reporter. Allô? Attends, je leur laisse tout du dépend. Papa. Bonjour, merci, je viens de recevoir un texto bizarre qui me dit que ma fouineuse de fiche ferait mieux d'arrêter de s'occuper des affaires des autres. Elle devrait faire gaffe, c'est une sorte de blague, c'est un numéro bloqué. Moi je suis vraiment désolé, il ne me l'a pas. Ma classe a pensé que ce serait drôle. Non, ça n'allait pas, je n'aime pas que ces dangers. On est bon, d'accord, moi non plus, désolé. Je fais juste mon devoir de papa, je sais que ça a été une semaine difficile pour toi. Elle est presque terminée, je vous appelle plus tard, je t'aime. Une tronche sympa, le père. Une tronche sympa, une tronche de bûcheron. Bon, voilà, j'ai lu tous les messages. On peut y aller. Du coup. Photo. David isn't any different from me when he's looking at those family photos. Oui, je l'ai déjà lu, ces photos. Oh, la vieille télé. Those poor whales are like. Beached angels. What is going on? Théorie du chaos. Le pot. Looks like they're back on the road to Paris. Ouais. Ouch. David, je n'aime pas que tu sois là quand je rentre du travail. Je suis servi. Ouh là là,
merde, c'est vraiment le bordel. Cabaret, non, je prends une histoire. Oui. Sur le journal. To think this all started with my vision of a tornado. L'apocalypse écologique. Arcade Bay, une petite bourgade pittoresque du littoral de l'Oregon. Vivant dans la pêche et du tourisme, trouve depuis le début de cette semaine dans l'œil d'un cyclone environnemental. Une chute de neige étrange, une cliff imprévue, une hécatombe d'oiseaux, une demi-douzaine et baleine échouée. Cette série d'événements inhabituels a attiré l'attention des scientifiques venus de tout le pays, dont des experts de la NASA, pour tenter d'en découvrir la cause. Et ce n'est pas tout, aucun météorologue ne s'est encore risqué à avancer une théorie quant aux causes de ces phénomènes écologiques précédents. Ok, moi je sais c'est quoi la théorie, c'est la théorie du chaos. Non, il n'y a plus mon taille. My butterfly sketch doesn't exist in this timeline. Like William. Ouais. Max the time bandit strikes again. La grosse télé. Une photo. Joyce must be so upset. Are you helping anybody, Max? Oh bah les couilles, c'est un crevard, mais bon. Quand même, on peut le droit à sa famille. It looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. Ça paraît vide, je crois. Il y a laissé les flingues et tout. Note. What the hell did David do for Nathan? Monsieur Mathon, merci de votre aide envers Nathan. J'ai apprécié votre geste cordialement. Shin Prescott. Ok. Either Chloe stole another gun, or David is out there armed. Moi, je dis balayer avec un flingue. Oh, jeez. David is packing up wedding stuff too. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. Bon appétit. There's more to David Madsen than meets the eye. Je tu sais que je suis pas toujours prêt pour m'expliquer ma façon d'agir. Tout ce que je sais, c'est que personne ne m'a jamais compris comme toi. Je ne vous ferai jamais de mal, ni à toi, ni à Chloé. Ma mission prioritaire est de prendre soin de ma famille. D'accord, j'ai dépassé les limites de l'affirmation et de la suspicion. J'en suis vraiment désolé. Et j'ai honte, mais il se passe des choses sombres à Arcade Bay, des choses dont je n'étais jamais parlé. Tu, ma femme, ma partenaire, on ne devrait pas avoir de secret. Je voulais tout te dire, mais j'ai besoin de plus de preuves. Le destin, une accidente a manqué de susciter des sur mon campus et je ne peux plus remettre les pieds dans mon foyer et ma belle-fille me déteste. Je t'en prie. Il n'y a pas fini. Je t'en prie, pardonne-moi, je pense. Je bords un coup parce que beaucoup parler, ça sèche la bouche. Ah. Alors, retour. Mail. Should I have signed the petition? Blackwell sure isn't safe and private anymore. Professeur Wesley Watson, en dépit de la discussion houleuse que nous avons eue à propos du succès de la pétition visant à mettre un frein à l'installation du système de surveillance sur le campus, ces discussions quant à d'autres méthodes d'amélioration de la sécurité à Blackwell sont toujours les bienvenues. Nous devons tâcher de concilier la protection des étudiants et celle de leur vie privée. Oh, meow, Miss Grant. Twist that knife. Merde, j'ai pas lu. Je veux lire. Should I have signed the petition? Blackwell sure isn't... Oh, meow, Miss Grant. Twist that knife. Je n'ai pas eu besoin d'être caméra de surveillance pour pouvoir venir ce renvoi de loin. Je vous souhaite un bon courage, Madame Grant. Oh, punaise. At least he has one weird fan. Attends, Madsen s'est fait virer? Pourquoi il s'est fait virer? Ou alors ça va être le renvoi de projet, je pense.
Oula. De anonyme. Cher monsieur Madsen, je voulais vous dire que c'est totalement juste ce qui vous arrive, la couelle est envahie de bobos métrosexuels qui vous apprécient pas à votre sujet, votre juste valeur, ni l'armée. Votre juste valeur, ni l'armée. Ok. Je me sentais en sécurité que vous étiez responsable du campus et que vous étiez là pour me protéger. J'espère que vous allez revenir à Blackwell pour suivre notre sécurité la nuit. C'est avec Amélie, c'est cette académie me fait peur. Pardon, excusez-moi. Du mal à parler. Wish I had surveillance footage of that conversation. Punaise. Should I have signed the petition? Bien, bien. David, au proviseur. Veuillez m'excuser de m'être emporté hier dans votre bureau. J'étais en colère à l'idée de perdre mon emploi à Blackwell sans enquête préalable des faits. Ces accusations d'étudiants trompeurs, un cancer en train de ronger l'académie de Blackwell et son mal, il continuera de se propager. Oui, donc il a été viré de son poste, je sais plus pourquoi. J'ai totalement zappé pourquoi il écrivait. Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts too. Yes. C'est quoi ça? I wonder if David is going to the party. Ouais. Là, tout ça j'ai déjà vu. Un truc que j'ai pas vu là, c'est le boule de papier. Il y a rien. Casier. Whoa, that is a serious padlock on that locker. Hey David, watch out. Oui, j'ai envie de savoir. Attendez, je me réinstalle un petit peu. Voilà. Utiliser. Oula, mais je sais pas moi. J'ai aucune idée. Shit. Ah non, c'est pas ça. For once, I don't have time to search for the code. Oh, I need to find a way to break this padlock. Regardez. Oh, look at the baby blue jay eggs in the nest. I better move his plank if I want to take the shot. Hop, on bouge juste ça. Excuse me. Just one picture, please. Hop, on prend la photo. Another photo from my Arcadia Bay Wildlife series. Et on remet la planche pour protéger quand même. Je remets la planche. Oh, thank you. Sleep tight, my eggy wags. Voilà. Ça va les protéger, je pense. La porte. Putain, où est-ce que je pourrais trouver le code? Non, c'est pas 911. Oh, la petite biche! Ça, ça va être mieux, ça. Ok. I can use that crowbar to pry open the locker. Alors. Cadenas, la petite biche! Sorry, David, but I bet you would do the same thing as me. Voilà, alors, voyons voir qu'est-ce qui cache. Oh, maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. Il y a un parking de Kibel Bleu, elle sait quelque chose. Oula. Voilà. C'est quoi toutes ces coordonnées de malade? Hé hey. Le mec nous a pris en photo avant de venir nous secourir, quoi. C'est un malade, ce type. Score. Back to Chloe now. Est-ce que je peux refermer? Allez là, stop.
arrête-toi de rembobiner. Non, mais... What? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, il tarasse. Bon, voilà. Ça, j'ai le pied de biche et le truc. Alors... Bonjour. Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. But I absolutely have to go see Kate in the hospital right now. I want to find out how she's doing. Oui, moi aussi j'ai envie de savoir. Allez, c'est parti. This is definitely Kate's floor. The hospitals always freak me out. I hear you. But imagine how Kate feels. I'm so glad I get to see her again. I hope it's not too weird for her. No, she'll be stoked to see you. Who wouldn't be? This be it. I'm a little nervous. Just go in there and be her friend. I'll wait out here so you can chill by yourselves. I was a total dick for blowing a fuse when you answered Kate's call the other day. Good thing you ignored me. I had no idea what shit she was going through. And you saved her. Like me. I'm sorry. Thanks, Chloe. But don't be sorry. We're all on the same team. Team Max. Let Kate know we're gonna string Nathan up by his balls then. Oh yes, I'm on it. Non, voilà. Bon, je suis en train de me dire, est-ce qu'on va devoir faire nous-mêmes ouvrir la porte ou pas? Parce que du coup, je ne sais mettre fin à cet épisode ici. Du coup, on va voir comment on va Kate pour le prochain épisode. Du coup, j'espère que celui-ci vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour la suite de Life is Strange. Allez, c'est parti pour l'autre.